Bande à part présente l'actualité. L'actualité musicale en super panoptique. Avez-vous remarqué à quel point nous sommes fiables? Toujours là, même heure, même Internet, avec du beau contenu, toujours fabuleusement mis en image par Vijayma. Vijayma, de la qualité mur à mur. Alors, aujourd'hui, nous rencontrons Mark Sultan à la Buanderie Café Blanc de Blanc. Nous rencontrons aussi Meta Gruau dans leur atelier de sérigraphie. Et nous allons à Sydney faire un top 3 des festivals d'été. Je m'appelle François Lemay et c'est l'actualité musicale vue par Bande à part. Eh bien oui, la 14e édition des Francouvertes s'achève et nous connaissons maintenant les trois formations qui participeront à la grande finale. Il s'agit de Bernard Adamus, Alex Nevsky et Mono Grenade. Cette fameuse grande finale aura lieu le 3 mai au Club Soda à Montréal, finale que nous diffuserons dans les jours qui suivent au bandapart.fm. Mais c'est pas une raison pour ne pas y aller parce que votre voix compte, même si vous ne savez pas chanter. Ha ha ha! Ha ha ha! Et tiens, parlant des Francouvertes, il y a le groupe Meta Gruau qui participait cette année. Bon, ils n'ont pas atteint la finale, mais cela ne les empêche pas de lancer ces jours-ci un nouvel album, lancement que nous avions envie de souligner. Moi, je m'appelle Mélissa Dimena et je joue du clavier dans Meta Gruau. Je m'appelle Julien Bagvis, je joue de la batterie dans Meta Gruau. T'as pas dit que tu chantais. Ah oui, je chante aussi. Ben, on est dans notre atelier de sérigraphie où est-ce qu'on réalise toutes sortes de belles choses comme des affiches de spectacles, notre travail personnel. Puis là, en ce moment, on est en train de finir d'imprimer nos pochettes de disques. Notre titre d'album, c'est Tendre et Mauve. Il n'y a pas de mauve dans la pochette. Il y a un petit bonhomme. Genre de petit garçon avec pas d'yeux, puis qui a de l'air de surgir de derrière une montagne de petits triangles. Des triangles que tu vois? Moi, je pensais que c'était des M. Ça a l'air des M ou des triangles. Comme des M, genre Meta Gruau, ou des triangles pour... c'est ouais. Un trio. Hein? On peut en voir des choses quand on étudie en art. Je pense qu'au départ, même avant de commencer à enregistrer l'album, on s'est dit « bon, ça va être simple, ça va être épuré ». Mais finalement, on a commencé à enregistrer, puis on a réécouté beaucoup, puis là, on a fini par rajouter plein de claviers, plein de distorsions, puis là, ça a fini par être super chargé. Puis même la pochette, chose pour la pochette. C'est un peu la même chose. On se dit « ok, là, la pochette, on commence super épuré ». Mais là, finalement, on commence à travailler dessus, là, on rajoute ça, on se dit « ah ouais, là, on rajoute une autre texture, là, ça se superpose ». Puis finalement, on se dit, ben, dans le fond, la pochette, elle reflète pas mal. Elle reflète super bien la musique. Je voulais aller chercher du tape. Ouais. Ce qu'on fait, c'est qu'on a utilisé notre four à t-shirt pour faire sécher nos pochettes à mesure. Il y a un petit convoyeur, c'est comme un four à pizza. C'est bien rare qu'on fait de la pizza dans notre four. Ouais, on va pas encore essayer. Ça sort vraiment bien, je pense qu'on est vraiment contents. Des fois, moi, je suis vraiment critique de mon travail, là, puis quand c'est terminé, d'habitude, je suis toujours déçue. Mais là, je vois le produit final, là, puis je suis bien confiante. Procurez-vous votre exemplaire de l'album Tendre et Mauve. Le lancement aura lieu vendredi le 23 avril à l'Escogriffe à Montréal. Ça sent le propre et le café ici. On est chez Blanc de Blanc, qui est une buanderie café sur la rue Villeneuve à Montréal.
Et c'est tout à fait superbe ici, j'aurais envie de vous dire, avec les machines à laver, bien sûr, qui sont d'un blanc éclatant. Sinon, ben, y a bien sûr le café. On peut commander toutes sortes de choses. Quoi de mieux que de boire un bon milk shake pendant que ces petites culottes se font brasser dans le fond de la sécheuse? Et pourquoi sommes-nous là? Ben, c'est parce que Mark Sultan est de passage à Montréal pour des courtes périodes et on s'est dit qu'on pourrait lui donner rendez-vous dans une buanderie café, comme ça on pourrait faire une entrevue. Alors moi, ce que je vous propose qu'on fasse, c'est que je vous présente les nouveautés musicales. Ça va passer le temps. Nous débutons avec le Husky qui délaisse avec son deuxième album son côté très sombre pour nous offrir une musique, bon, non pas joyeuse, faut pas exagérer, mais disons un petit peu plus optimiste. Les musiques aussi ont pris du galon pour notre plaisir auditif. Apporte-en de poche pour pas qu'on se pète la gueule. D'après ce que j'ai entendu, il y aurait des choses qui bougent tout seul. On aurait vu des fantômes. Il fait tellement sombre, mais comme dans les films d'horreur, moi j'ai pas peur. Fais dans ma joie la minuit et demi, près de la maison hantée. Le disque s'appelle La Fuite, des concerts sont bien sûr à venir, on surveille lehusky.com. J'avoue que j'avais été, comme pour bien du monde, un peu pris par surprise par l'excellent premier disque des Montréalais, Plants and Animals. Le trio est de retour avec La La Land, une suite logique à ce qu'ils ont fait avant, mais en plus cru et résolument plus rock. Le groupe sera en spectacle partout en Amérique du Nord. Vérifiez s'il passe par chez vous au myspace.com/plantsandanimals. Jean Genet est le projet solo de Marc-André Pilon, que l'on peut aussi entendre au sein de la formation Le Globe. On a affaire avec ce premier maxi à un folk puissamment distorsionné aux influences littéraires, ma foi, assez marquées. Cette rencontre musicale entre, disons, Hemingway et Lou Reed est disponible gratuitement sur le web en passant par le myspace.com/Jean Genet. Et là, je dois avouer qu'on est un petit peu privilégié de réussir à attraper Mark Sultan sur le vol. Et là, il vient de lancer, en fait, son deuxième album sous le nom de Mark Sultan, qui s'appelle, on le sait pas, parce que c'est un signe de dollar. Salut, Mark Sultan. Salut. Comment qu'on appelle signe de pièce? Dollar sign? Money? Moi, j'ai pas d'idée, là. Je ne sais pas aussi quoi dire pour ça. D'ailleurs, c'est ton deuxième album sous le nom de Mark Sultan. Ouais. Avant, il y a eu avec King Can, il y a eu Barbecue, il y a eu plein d'autres projets, il y a eu tes groupes aussi, les Sex Arenas et tout ça. Ouais. Qu'est-ce qui différencie chacun des projets? Est-ce que tu as de la musique de la même manière, dépendant du nom? Quand je fais des choses barbecue, King Kong barbecue, c'est toujours dans une petite boîte. Là. Mm-hmm. Puis j'aime ça, j'aime le feeling d'être en prison musicale. J'aime ça beaucoup. Les chansons que j'écris pour ça, c'est plus typique rock and roll, des choses comme ça. I was home on Saturday night, just minding my own business, when I heard a knocking on the door. I said, who's that?
Mais le show barbecue, c'est plus comme un one-man band, là, tu sais. Puis je ne voulais pas que les personnes, disons, pensent que c'est la même chose, parce que ça, c'est plus une exploration des sons que j'aime, des autres choses que je peux faire avec des autres instrumentations, des choses comme ça. Et c'est pas si primitif, si facile que les autres choses que j'ai faites sur le nom de barbecue. Mark Sultan, finalement, c'est ton côté un petit peu plus soul aussi. Ouais. Tu chantes différemment quand tu chantes sous Mark Sultan que lorsque tu fais du chant, par exemple, en barbecue. Avec ça, c'est comme... Quand je veux chanter comme whatever... un tapette, un ange, une méchante, n'importe quoi, je peux faire que je veux. J'ai deux côtés de moi. J'aime explorer des choses ridicules, mais contrôlées. T'sais? Puis l'autre chose, c'est comme pas contrôler, c'est chaos, et j'aime ça aussi. J'aime les deux côtés de mon personnage et mes rêves et ma vie. You were always there to tear the sky away. Leave me flat. But if you were here today, in my arms, oh, I'd know what to say. Il y a un autre projet sur lequel tu travailles avec Bloodshot Bill, ouais. The Ding Dongs. Comment ça sonne? Qu'est-ce que c'est? J'ai pas entendu. Comment tu me le décrirais? Ça, c'est vraiment rock and roll, rockabilly, pas de question. Je sais pas, on est des amis. Moi, je lui connais, ça fait un long temps. Et moi, j'étais chez lui, puis on a juste dit, ah, pourquoi on fait pas des chansons maintenant? Puis on a juste comme... On a enregistré, puis c'est vraiment des chansons plus party, plus fun, mais vraiment straight up, là. C'est très cool, j'aime ça. C'est ça, ça sort bientôt, je pense. C'est ça qui est le fun avec le rock'n'roll. C'est que tu peux aller chez un ami une soirée puis enregistrer un album au complet. Mais c'est ça. J'aime que ça puisse être immédiat. Puis tu peux faire n'importe quoi avec ça. Et des fois, des personnes n'aiment pas ça. C'est que, ben là, c'est quoi? Là, c'est plate. C'est la même chose que j'ai entendu déjà. Ben ouais, OK. Ça, c'est le point de la musique. Tu ne dois pas toujours dévier d'un son. Le son est classique et le son se touche. Ça peut les mêmes trois accords chaque chanson, mais si ça te touche dans une façon primitive, animale, humaine, je pense que c'est tu peux jouer la même musique qui a été jouée il y a 60 ans. Là. Absolument. C'est le même. C'est cool. Comme disait un peintre, tout a été fait, mais pas par moi. Ouais. Et encore, des personnes qui pensent qu'ils ont fait maintenant quelque chose de nouveau, ils se trompent. Ça n'existe pas. Non, c'est pas nécessaire de trouver une autre chose qui est nouveau, parce que moi, je pense que le temps se passe très vite maintenant et ça va connecter à un point et on va tout mourir. Et puis, c'est fini. Tu t'en vas en tournée partout à travers le monde encore? Tu repars? Oui, je pars dans quelques jours pour les États-Unis pour jouer des shows. Puis après ça, en Europe, puis Australie. Je suis excité. Moi, puis King Kong, t'es invité de Lou Reed. Nous invitons de, ah oui? De jouer à Sydney Opera House. Là. Wow! Ouais, en Australie. Je suis très content. Et... ça, c'est comme un idole de moi, là. Lou Reed, c'est très cool. Et quand il dit qu'il aime la musique que moi je fais, ça, c'est la raison que j'ai fait des choses pour moi, premièrement, mais pour savoir des personnes comme ça, ils ont écouté ma musique, ça, c'est très cool. T'as reçu un courriel de Lou Reed?
Salut Marc, j'ai aimé ton disque. Mais non, ça n'a pas passé comme ça. Ça marche pas comme ça. L'album s'intitule, bon, disons, Dollar Sign, signe de pièce ou Shift 6 sur Shift votre 6. Clavier. .com. MarkSultan.com pour avoir les dates de concert à travers le monde. Merci beaucoup, Marc. Oui, merci à toi. Et comme Marc Sultan, nous aussi aimons aller voir ce qui se fait ailleurs pour s'aérer un peu le cerveau et surtout les oreilles. Et alors que nous nous apprêtons ici à plonger dans l'été, eh bien, sachez qu'à Sydney, en Australie, l'automne est déjà bien entamé. Bonjour Véronique Ménard. Bonjour François. Oui, l'été se termine à Sydney et c'est maintenant le temps de vous présenter mon top 3 des meilleurs festivals de musique auxquels j'ai assisté cet été. C'est donc la fin de la grande saison des festivals là-bas et on va commencer avec ton numéro 3, ton troisième préféré si on veut. C'est Big Day Out. C'est le festival le plus important si on parle de billets vendus et de bandes rassemblées. C'est définitivement le rassemblement de la jeunesse australienne. Cette année, pour l'édition 2010, il y avait plus de 70 bandes, DJ et artistes qui ont joué sur un total de 8 scènes. J'ai eu l'occasion de voir beaucoup de bandes locaux et internationaux. Et puis, je voudrais attirer l'attention aujourd'hui sur le groupe australien du moment qui est fraîchement sorti de l'underground et qui fait une ascension très remarquée. C'est le trio qui s'appelle Tame Impala, qui fait une musique rock psychédélique qui est inspirée par les Beatles, mais aussi par la musique progressive turque. Les Beatles et la musique progressive turque, je sens poindre un curieux mélange à l'horizon. Effectivement, mais ça donne un groove qui fait présentement fureur à Sydney. Et puis Tame Impala est certainement un groupe à surveiller. On écoute. Alors Véronique, maintenant ton deuxième festival préféré de l'été. La position numéro 2 de mon top 3 revient au East Coast Blues and Roots Festival qui avait lieu durant le week-end de Pâques. Et malgré la pluie cette année, le festival a affiché quasi complet et offrait une foule de groupes connus, moins connus du public australien. Il y a un groupe très spécial dont je voudrais vous parler. C'est un duo qui vient de la banlieue de Sydney qui s'appelle The Fumes. Leur musique est blues rock avec des teintes de grunge. Ils donnent une performance impressionnante et démontrent certainement qu'avec une guitare et une batterie, tout est possible. Et là, Véronique, c'est quoi le festival australien qui remporte les grands honneurs? La position numéro 1, mon festival préféré de l'été, c'est le Laneway Festival, qui autrefois n'était qu'un tout petit événement qui présentait de la musique indie dans une ruelle de Melbourne. Aujourd'hui, le festival se rend aussi à Sydney, à Brisbane, à Adelaide et Perth. C'est majoritairement de la musique indie rock qui est présentée, mais on y retrouve aussi du techno, du rap et du folk. C'est mon coup de cœur de l'été et cette année, c'est Eddie Curran Suppression Ring qui a retenu beaucoup d'attention.
C'est un groupe originaire de Melbourne, créé en 2003, qui a de plus en plus de couverture au pays et qui attire tous les fans de rock, punk, garage. Leur prestation au Lanoué Festival a attiré un très grand nombre de fans, puisqu'ils offraient des pièces de leur nouvel album Rush to Relax, dont je ne peux plus me passer. Merci beaucoup, Véronique Ménard, à Sydney. Et pendant que de notre côté, nous glissons tranquillement vers l'été à Montréal, yeah! Moi, je te souhaite un joyeux automne. Merci. Merci beaucoup. Et voilà, la fiabilité se termine ici, puisque nous devons vous quitter si nous voulons poursuivre cette grande tradition et être bien à l'heure dans deux semaines, alors que nous vous parlerons du premier album complet d'Ariel et que nous vous présenterons bien sûr ce qu'il y a de plus neuf dans tout le nouveau. Je m'appelle François Lemay, et comme à toutes les fois, bye! L'actualité musicale en super panoptique vous a été présentée par Bande à part. Bonjour, ici François Lemay et vous êtes sur la boîte vocale de Bande à part. Un endroit où vous pouvez vous exprimer en toute liberté. Merci de nous appeler et surtout de nous écouter. Hey, salut Bande à part, c'est Patka. J'ai un petit service à vous demander. On cherche à rejoindre le plus de fans de rock'n'roll possible, précisément de la période 56-1964 pour le futur musée du rock'n'roll. Fait que si vous pouvez passer le mot et qu'ils nous contactent au info@museedurock'nroll.com puis qu'ils nous disent qu'est-ce qu'ils vont nous offrir, qu'est-ce qu'ils vont nous prêter, etc. On est à la recherche de vidéos, audio, photos, artefacts, guitare, drum, whatever, n'importe quoi d'époque qui se rapporte à une vedette ou un musicien obscur qui s'est produit durant ces années-là au Québec. Fait qu'on attend de vos nouvelles. Merci, bon appart. Bye.